Les faits, là, c'est quoi? Ce sont des policiers qui, après un tir de LBD sur un jeune homme qui était gravement blessé sur la tête, ensuite, alors qu'il était à terre, se sont acharnés contre lui pour le tabasser. Ça, c'est ce que dit la victime. C'est ce que dit la victime. Bah, oui. Mais le policier était une autre version. Il est extrêmement rare que des policiers soient placés en détention provisoire. Ça a été le cas deux fois, là, récemment, mais dans des cas quand même assez topiques. C'est très, très rare. Ce qui veut dire que si des juges ont estimé nécessaire de le placer en détention, c'est quand même qu'ils avaient... Mais en quoi le contrôle judiciaire serait un problème? Parce que la loi doit être la même pour tous d'abord. Ensuite, parce que les faits, je le rappelle, ce sont des faits, s'ils sont avérés, qui constituent une délinquance. On ne peut pas dire que le policier, dans l'exercice de ses fonctions, peut faire n'importe quoi. Mais je pense qu'un policier qui respecte les règles de la République et son code de déontologie, il ne va pas, quand vous avez quelqu'un qui est à terre, s'acharner pour le frapper, au risque même de le mettre entre la vie et la mort.